Salut tout le monde les amis, c'est Darkbon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur Phoenix Rebirth que vous connaissez peut-être pour certains, pour d'autres non, sachant que... Putain. Oh c'est tellement bien fait leur timer. Bah oui, je sais y jouer. Et du coup là, je suis avec une autre personne, bon pas en vocal, que avec laquelle je voulais jouer à un autre jeu, mais il n'y a pas assez de monde. Donc je ramènerai, je vous demanderai sans doute un autre jour de venir y aller, ou sinon j'irai avec des amis, vu qu'il faut être 4 au minimum, c'est sur leur serveur, c'est le Cluster Chunk, je crois, ou Cube Control, ça. J'ai un petit problème de pour me souvenir de duquel c'est exactement, vu que j'ai joué à deux avant. Genre avant je jouais sur ce serveur, et il me plaisait vraiment bien, mais là il y a un peu moins de monde qu'avant. Ce qui est un peu triste d'ailleurs. Et du coup voilà. Et du coup voilà, donc là on est parti pour une game 48. Et là on a vu un truc genre choix des paramètres qui est pas mal. Là-dedans on peut choisir ce qu'on veut. Donc là il y a PvP 1.8. Bon, on va dire qu'on est pour le PvP 1.8, évidemment, parce que j'ai pas envie de PvP 1.9. Donc voilà, donc les règles du rush. Alors c'est un jeu créé par Xizuma. Ok. Il se joue avec 2 ou 4 équipes adverses dans les airs. Casser le lit adverse et après tuer tous ses adversaires. Chaque équipe spawn sur un petit îlot et aura à sa disposition un spawner à ressources, bronze, argent, or, des villageois pour échanger ses ressources et un coffre contenant des armures en cuir. Interdit d'utiliser des mods permettant de tricher flight. Okay. Hop. J'ai pas vu le dernier avec interdiction de casser TNT, un truc du genre. Voilà. Et là, du coup. Voilà, d'ailleurs ouais ça me rappelle quelque chose ce rush là. Ouais. Voilà, donc ça me rappelle quelque chose, donc oui je crois que j'ai quand même joué pas mal à ce rush là ici. Là du coup l'épée normale. Ok non. Donc ouais voilà, la débloque. Bon je pense je vais foncer direct vers lui, il doit être en face. Et ouais, on va protéger le lit. Ah ouais, pas con. Pas con. Ouais, j'allais oublier. Hop, voilà. Bon, du coup. Du coup, voilà. Donc, tac. Hop. Et voilà, on essaie de faire une petite protection. Tranquille. Nice. Hop. Et voilà le tour. Par là quoi du coup. Voilà, comme ça. Nickel. Et oui, là du coup, on fait ça. Bon, est-ce que j'ai une armure? Non, j'ai pas d'armure de base sur moi. Et là, il y en a. Bon, on va pas prendre d'armure vu qu'on va foncer. Comme ça, voilà. Tête baissée. Et on fonce. Pour voir ce que ça peut donner. Ouais. Voilà, je vais me remettre en première vue, c'est mieux. Parce que sinon, on voit pas tellement. Est-ce qu'on a la deuxième main? Ouais, nickel. Écoutez, voilà, c'est parfait. Bon, pour le moment, je l'entends pas ou quoi que ce soit. Donc, bon, il est assez loin quand même. Ça devrait aller. Donc, voilà, et d'ailleurs, ils ont un TeamSpeak. Donc, à la limite, je pourrais me connecter au TeamSpeak les prochaines fois que je jouerai à des mini-jeux dessus. Donc... Ah putain, oh putain, j'ai eu peur là quand même d'un lag ou alors un sneak des sneaks non voulu. Donc voilà, on fonce. Là. Ouais. De toute façon, voilà. On n'a rien à perdre quasiment au début. Donc voilà. Donc autant foncer, rusher pour essayer de mettre un max de blocs vers sa base. Voilà. Et là, on peut revenir chez nous pour reprendre des blocs. Et peut-être de la TNT direct. On va assaut direct, nous. On n'a pas le temps de niaiser. Là. Ok. Ouh, je me suis laissé un espace. Nickel. Du coup, là. Et là, du coup, je le vois en plus de loin. Donc, c'est cool. J'ai pas besoin d'augmenter le render en plus. 7. Voilà, sharpness 2. Avec... Un bouclier. En vrai, non, je m'en fous, mais. Putain, ouais. J'ai dépensé au lieu d'utiliser pour TNT.
J'ai dépensé au lieu d'utiliser pour TNT. Bon, bah on le met, tant qu'à faire, autant l'utiliser. Voilà, et là, du coup, attendre un petit peu. Peut-être qu'on peut... Lui, toi, t'es un cléric, ok. Tu veux bien un arc Infinity. On te prend l'arc et les flèches. C'est un d'or pour une flèche. Ok. Donc là, on a assez pour une TNT. Il manque le briquet. La TNT, voilà. Et la TNT est là. Et le briquet, ça coûte un d'or. Ok, donc on va essayer de le prendre maintenant. Comme ça, voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un arc flame? Coucou toi. Coucou. Ah, j'ai oublié, ouais, j'ai oublié la pioche. J'essaie de s'éloigner, le petit. Et en plus, j'ai pas de flèche, ouais, ok. Autant se replier et trouver bloc ici. Enfin, de quoi miner. Là. Tac. Faut se grouiller quand même parce qu'il est juste là. Coucou. Oh putain, il a cassé mon lit. Le salaud. Et j'ai perdu. Ah, rip. Rip. Bon, je vais essayer d'en refaire un. Donc, on en refait un ou pas. Alors, du coup, on va y aller. Donc, nice. Rush. 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 Voilà. Et voilà, bon, on l'attend si jamais il veut venir. Et je peux peut-être l'inviter. Voilà, en slash party, s'il y en a. Slash party. Le joueur indiqué n'a pas été trouvé. The Titi 16. Ok. C'est bon. Nickel. Ouais. Bon. Voilà. Donc, alors, voilà, choix des équipes, bon, je prends l'équipe adverse, et j'ai aussi slash F, slash friends, peut-être qu'il y a, non, il n'y a pas, donc, il n'y a pas, donc, ok, donc là, on va essayer de gagner, cette fois-ci, parce que, pas rester sur une défaite non plus, donc, ah, mais non, le truc, c'est juste la map créée par Xizuma, peut-être. Ou alors c'est tout le jeu, je sais pas. Donc voilà. Donc ok. On va attendre un petit peu pour commencer avec le timer ici, magnifique, en particules de feu. Je sais pas combien de temps ça a dû leur prendre ce truc. Et peut-être que pour que ce soit plus simple pour eux, ils ont dû se faciliter la vie en faisant genre des patterns de. Pour chaque chiffre, genre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et tout. Comme ça, ils le font juste recopier de l'autre côté, par exemple. Genre, ils mettent le 1 là, ils mettent un 2 ici, qu'ils ont déjà sauvegardé, par exemple. Donc voilà, enfin dans leur code, quoi. Mais du coup, voilà, donc là, on va pouvoir bientôt se préparer. D'ailleurs, là, ça me fait bizarre, truc qu'il est... Oh, on est 3 qu'il est mort. Ah, je sais pas qui va se mettre, en vrai. On va bien voir, sauf que ça sera déséquilibré. On sait pas du tout. Ah, il s'est mis avec moi, The Titi, ok. Contre, ok. Voilà, spawn a bien été modifié. Il nous faut un petit peu, voilà, donc là, quelques blocs. Voilà, on peut essayer de foncer un peu. Moi, perso, je fonce direct pour poser la masse de blocs. Là, j'en ai 30. Donc, ok, vas-y. Voilà. Donc, moi, je peux y aller direct. Voilà. Donc, 15 blocs. Bientôt plus. Et, du coup, voilà. Donc là, par contre, je sais pas l'écartement, en fait, entre les deux bases. C'est peut-être de 100 blocs et quelques, un truc du genre. Donc, c'est quand même assez long. Ouais. Ah! Il vient. Voilà. Donc, voilà, on l'a prévenu au moins.
Et du coup là on peut se save un petit peu. Épée. Épée, épée. J'ai une épée pour 1. Et là je suis quasiment sûr qu'il a pas pris d'épée encore. Et là il nous faut une pioche aussi. Donc une pioche. Voilà. Comme ça on a une pioche. Et on a nos blocs de base. Voilà. Donc là, ok, on est à peu près paré à l'accueillir. On peut monter par en haut aussi. Donc on se fait un escalier. Voilà. Comme ça, c'est fait. Tac. Hop. Et ouais, nickel. Nickel ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on va réussir à l'attaquer? Merde. Ok. Je me suis un peu fail. Coucou. Est-ce qu'on va réussir à l'attaquer? Il va peut-être nous sauter dessus déjà. Sauf si c'est moi qui lui saute dessus. Merde. Non, non, il va me sauter dessus. Hop. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Ça fait trop mal. Je me suis pris un gros dégât de chute. Ah ouais. Et là, est-ce qu'on peut casser ce bloc là pour le faire tomber? Ah! Ok, c'est le bon. Ouais, non, merde, je suis con. Le bleu, il est avec moi. Putain, je vais attaquer mes propres teammates. Voilà. Et là, bah, on n'a pas de TNT, donc... Voilà. On descend à l'arrache. Et on a reçu des pièces d'équipement qu'on n'avait pas mis. C'est pour ça qu'on mourait. Bon, j'ai pris les siennes, du coup ça m'a quasiment rien coûté en vrai. Heureusement. Et du coup là, j'ai déjà un briquet. Donc, arc. Non. TNT. Surtout TNT. Donc, TNT, voilà, TNT. Deux TNT. Voilà, deux TNT. Ok, donc on a deux TNT. Ok, donc bon, je vais en mettre une dans le coffre là-haut. Parce que sinon, bah on va la perdre forcément. Donc voilà, là, il y a moyen de régène ou pas? Ouais, il faut de la bouffe. C'est pas lui qui en donne. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est lui. Oh oui, bah c'est pas trop cher. Pour de la bouffe normale en tout cas, voilà. Nickel. Voilà, on en prend un petit peu. Et voilà, c'est nickel. Ok, voilà. On régène un peu. L'or, je vais le redéposer là-haut. Je redépose genre les ressources et tout là-dedans. Voilà, or. Bon, le bronze, on s'en fout. Donc voilà, donc allez, on est parti. Et j'espère qu'on va pouvoir le tuer cette fois-ci. Donc là, briquet en main avec la TNT. On va faire... Non, ouais, dans ce sens-là plutôt. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, il est tout en haut, le salaud. Oh, le salaud, il a détruit notre lit. Oh, le salaud. Le salaud, le salaud. Faut monter. Il a un arc? Peut-être. Non. Non, il a pas eu le temps de se faire un arc. Il a pas eu le temps de se faire un arc, c'est quasi sûr. Donc on va monter par là. Voilà. Ok. On a... Ok. Oui, c'est bien le jeu. Il a quand même réussi à nous détruire notre lit pour le moment. Qu'est-ce que je fous? J'ai plus assez de blocs après en fait, en plus. Donc... Non, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il va me sauter dessus? Sans doute. Voilà, vas-y, vas-y, tombe. Aïe, et je suis mort. Éliminé. Rip. Ah, bon, lui, il est pas mort, mais... Enfin, lui, il est pas éliminé, mais... Mais toujours en vie, mais moi, je suis éliminé. Donc voilà, donc là, je pense, ça fait assez longtemps de vidéo en plus. Donc, ok. On va vite, en fait, web, j'ai l'impression. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc, il y a quoi en cosmétique? Tenue.
Bot. Réserve donateur. Débloquer, débloquer. Débloquer, débloquer 500 points. Et j'en suis à 230. Ok. Bon. Bah, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Dargo. Tchuss!